soir, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éteindre le PC d'un utilisateur à distance. Vous pouvez le faire pour éteindre votre PC, de même que vous pouvez le faire pour éteindre donc le PC d'un ami à distance. Alors, c'est facile. Vous allez sur la barre de recherche, vous allez taper invite de commande et vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Ah, c'est pas. Vous allez exécuter donc en tant qu'administrateur. Bon, commande, vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez exécuter, si c'est en tant qu'administrateur, vous allez taper oui. Et donc, ça vous remet sur CMD. Alors, la CMD là, parfois la CMD est en noir le plus souvent, mais vous pouvez donc changer la couleur. Alors, j'ai mis la couleur en bleu. Donc, vous, pour connaître le nom de votre PC ou bien le nom de PC de votre ami, vous allez taper NetView. 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 Bon, NetView. Et vous allez taper OK. Alors, moi, mon nom est là, c'est Sorwasta. Donc, si vous éteignez le nom de PC de Sorwasta, donc je vais d'abord taper NetView pour connaître le nom et. Ensuite, vous allez taper la commande shutdown, le shutdown, ah bon, shutdown, slash, vous allez taper shutdown, slash, slash i. Ah, ok, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est shutdown, vous allez taper shutdown, shutdown, bon, shutdown, slash i. Hein. Ok, ça va vous amène directement sur cette barre, bon, sur ce tableau, petit tableau. Et si on a écrit arrêt à distance, bon. Alors vous allez taper ajouter pour ajouter le nom de l'ordinateur que vous voulez éteindre. Je veux dire que vous pouvez donc le faire avec votre ordinateur comme vous pouvez le faire avec l'ordinateur d'un ami. C'est-à-dire vous pouvez donc prendre votre PC et éteindre le PC d'un ami sans toucher son ordinateur. Alors je l'ai ajouté ici le nom Sorwasta. Bon, alors, comme je ne vois pas les dupliqués, mais bon, je vois. Alors, je vois les choses. Alors, vous mettez les guillemets. Donc, il faut respecter donc les anti-slash. Les anti-slash, il faut les respecter. Le Sorwasta est en majuscule, mais sur ce tableau, donc, vous ne pouvez pas écrire donc les noms en majuscule. Donc, c'est toujours en minuscule. Donc, j'avais été Sorwasta. Sorwasta. Donc j'ai ajouté ce raster. Vous donc venez sur cette barre. Quelle tâche voulez-vous que l'ordinateur exécute? Alors, par exemple, si je veux que l'ordinateur démarre, alors ici l'arrêt du système redémarre ou en l'arrêt de nous planifier. Vous pouvez donc choisir ce que vous voulez que l'ordinateur exécute. Alors, je vais donc redémarrer l'ordinateur. Ici, vous aussi avertir l'utilisateur de l'action. Cela veut dire que l'utilisateur donc sera au courant, mais il ne sera pas pourquoi. Je vais dire après pourquoi il ne sera pas. Vous pouvez donc le tromper. Alors ici, donc, je vais écrire le nombre de secondes. Pardon, je vais écrire le nombre de secondes que vous voulez que l'ordinateur va exécuter. Alors ici, vous allez écrire donc le nombre de secondes que vous voulez l'ordinateur exécuter. Et vous allez venir. Bon, ici le planifier, c'est pas du tout très intéressant. Alors, l'autre, vous allez ici le commentaire. Le commentaire, c'est pour tromper l'utilisateur du PC. Vous allez éteindre son PC ou bien le demande, mais vous avez écrit quelque chose ici, comme par exemple erreur du système. Vous allez écrire donc erreur du système, comme par exemple erreur du système, erreur du système. Donc, erreur du système. Donc, si son ordinateur, il va voir erreur du système, mais il ne va pas comprendre que vous avez planifié ça. Alors, ok. Regardez ici, ça va m'amener ici une part. Vous allez être déconnecté. Donc, cela veut dire que j'ai planifié cela, erreur du système. Je vais croire que c'est une erreur du système. Bon. Alors, pour annuler la requête, vous allez taper shutdown. C'est pour annuler le truc là. Shutdown, pour annuler ça, vous allez écrire shutdown slash slash A, c'est pour annuler ça. Alors, fermeture de session annulée, donc c'est pour annuler donc la fermeture. Merci beaucoup et si vous le tuto vous a plu, alors
Et c'est alors abonner à ma chaîne et liker, aussi commenter. Après, je vais mettre tout sur la description. Et merci beaucoup.